Bonjour à tous les amis, alors je fais une petite vidéo que j'improvise très rapidement pour euh, vous faire une petite expérience sur la différence entre le log et l'euro. Alors c'est des choses qu'on en a parlé 50 000 fois sur ma chaîne, notamment quand on parlait du row », du log et tout. Euh, sur les réseaux, parfois il y a beaucoup d'échanges dans les forums qui dit que l'euro c'est mieux que le log, que l'on peut faire plus de réversibilité sur l'euro que sur le log. Euh, quels sont les avantages réellement entre l'euro et le log. Bref, on va essayer de faire un petit topo. Expérience à la pluie, avec, euh, avec un bout de roche de, de chez Harry. C'est parti, tenez-vous bien, on est parti, ciao. Alors, on va redéfinir ce que c'est que l'euro, parce que évidemment, euh, peut-être que tout le monde n'est pas très 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 bien au courant. Alors, je sais, il va falloir peut-être attendre 6 minutes ou 7 minutes avant d'avoir euh, les premiers résultats, mais c'est important quand même, on n'est pas sur TikTok. Donc, euh, l'euro, c'est quoi C'est la saisie des données du capteur brut, sans interprétation euh, forcément d'une image en direct, hein, sauf évidemment si on doit la visualiser, que ce soit par un moniteur, un viseur. Donc, on va enregistrer des informations. Du, euh, de, du capteur puis on va débailloriser donc dé les informations et le développer avec un espace colonométrique et un gamma et bien évidemment comme ce sont des données brutes du capteur eh bien on peut débailloriser avec différents formats on dirait peut pas format mais d'espace colométrique et de gamma sur un même fichier donc, ça, c'est ce qui est arrivé notamment sur la première caméra de chez... en RAW chez Red, où on a pu euh, bah, enregistrer du RAW et après jouer sur les métadonnées, les métadonnées pour éventuellement commencer à étalonner. D'ailleurs, c'est ce que j'avais fait sur un premier film, euh, sur un premier film, un premier long métrage que j'avais fait en 2010. On avait tourné en Red One. A l'époque, le, le log, le gamma logarithmique chez Red n'existait pas et j'avais étalonné en modifiant uniquement les métadonnées. De la caméra. Mais depuis, depuis, il euh, y a eu du log euh, et on a pu remarquer, pour ceux qui ont fait l'expérience, qu'il n'y avait réellement aucune différence. C'est-à-dire que le log, euh, ce n'est pas du raw, hein, qu'on se l'entende, mais la captation, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais au moins c'est plus vulgaire, la captation. De saisir toutes les informations dynamiques du capteur permet réellement d'avoir exactement la même attitude que l'euro. Alors, il y en a qui disent oui, comme moi, et du coup, je peux vous dire que tourner en RAW, ce n'est pas forcément une priorité. Pour moi, le seul avantage qu'on y gagne, c'est qu'on peut augmenter la quantification. Euh, bon, euh, ou parfois on peut. Alors, chez Red, c'est euh, chez... Chez, euh... chez compliqué parce que c'est les deux, c'est du 12 bits. Que ce soit du RAW ou par exemple de l'Apple ProRes 444, on est sur du 12-bit. La seule chose qu'on va gagner, c'est le fait qu'en ARRI RAW, c'est pas du tout compressé, alors que l'Apple ProRes est un peu compressé, un peu beaucoup. D'accord euh, bah Justement, on va faire l'expérience. On va modifier les métadatas d'un fichier RAW de chez ARRI. Et on va regarder avec, euh, avec du DNXHR, parce que moi je suis sur PC, donc je ne peux pas générer l'Apple ProRes. Bref, je vous explique tout ça. On part sur DaVinci. Voilà. Alors... Euh, j'ai un petit bout de roche d'Ariro ici euh, que je vais euh, vous montrer. Euh, voilà, voilà. Donc ici, on a de l'Ariro en 25 images par seconde. Euh, on est en format OpenGate, donc 3414 par 2198. Profondeur 12 bits. Voilà. Donc je vais faire l'expérience. Je vais prendre ce fichier que j'ai mis là. Voilà, je vais le dupliquer et je vais le coller ici et je vais le superposer. Donc là, j'ai deux fichiers RAW euh, de RAW qui sont superposés l'un sur l'autre. Si je désactive ici, je retombe sur la, la piste 1. Si j'active piste 2, piste 1. Donc là, évidemment, on ne voit aucune différence, puisque c'est exactement le même fichier. Maintenant, on va aller en étalonnage. Je ne vais pas faire d'étalonnage, je vais rester en mode log, hein, puisque là on voit le log c'est le log C3, hein, ce n'est pas du C4. Et par exemple, sur celui qui est en dessous, je vais pouvoir accéder ici. Euh, D'habitude, je suis sur Project, mais je vais pouvoir individualiser le réglage de ce clip. Et je vais pouvoir le pousser, par exemple, aller à pleine balle à 3200 ISO. Voilà. Donc là, vous ne le voyez pas parce que c'est le fichier du dessus qui prend le relais. Vous voyez, je le désactive. On est là. Donc là, on est... Euh, on est bien en termes de bruit. Maintenant, sur le deuxième, je vais rester en, 18, en 800 ISO et je vais simplement aller dans le global parce qu'ici, on est dans un mode linéaire. Donc, l'exposition va, va être très photométrique. Et en l'exposition, bah, je vais faire l'équivalent. Donc, de 800 à 3200, ça veut dire surexposé de 2 diaphres. Donc là, je vais mettre plus 2. Et voilà. Donc là, j'ai volontairement exposé, surexposé de 2 diaphres, mais sur un fichier ARIRO qui sort du 800 ISO. Alors que là, j'ai développé mon fichier ARIRO en 3200 ISO. Donc j'ai fait ce qu'on appelle de la réversibilité. Hein, euh, c'est le principe du RAW. Maintenant la question est, est-ce que c'est la même chose Donc on va aller se balader. On va aller chercher euh, par exemple des basses lumières. Ici, on en a des bonnes basses lumières. On va zoomer à fond. Voilà. Et je vais désactiver l'un et l'autre. Et on s'aperçoit, regardez, on s'aperçoit que à part euh, là, ce sont les fenêtres à l'extérieur. Euh, on a exactement la même quantité de bruit. C'est exactement le même fichier. Voilà, alors que je passe de l'un à l'autre. D'accord On a simplement ici, peut-être, dans la fenêtre, ici, on a peut-être un effet de récupération euh, à 3200 ISO. Voilà, mais c'est très minime. Maintenant, on va aller beaucoup plus loin dans l'expérience. Les amis. On va ici, j'ai un fichier. Je ne sais plus lequel que c'est. Voilà, c'est ce fichier-là. C'est le même que l'aréro Sauf qu'en en fait, j'ai pris l'aréro je l'ai mis à 800 ISO et je l'ai exporté. Même résolution. Euh, mais en DNXHR 444 12 bits. D'accord? Donc là, on n'est plus du tout en RAW. C'est fini. On a quitté le monde du RAW. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais virer celui-là. Bah j'ai tout viré du coup. Donc je vais en prendre un qui est en aréro voilà. je vais en prendre un autre, celui-ci qui est euh, pour le coup en, en DXHR DX -HR, pardon. Donc vous voyez bien que ici ce plan-là, je peux, j'ai les métadatas, j'ai accès aux métadatas du RAW, alors qu'ici, bah, forcément, comme c'est un fichier en log et sur un codec gravé, l'exposition le, est gravée dans l'arbre. Je ne peux plus rien faire. Donc je vais faire la même expérience. Ici, je vais pousser à 3200 iso donc j'ai augmenté de 2 diaf voilà donc ce qui nous donne forcément quelque chose comme ça Voilà, je vais aller dans les basses lumières voilà et sur le deuxième fichier je vais faire exactement la même chose ça veut dire que je vais aller dans le mode hdr je vais le faire à plus 2 voilà et je peux voir que eh bien il n'y a pas de différence la seule différence va peut-être se montrer dans les hautes lumières, où là j'ai euh, effectivement des informations que j'ai reçues à récupérer, puisque dans l'ARIRO à 800 ISO, j'ai quelques informations dans les hautes lumières, chose que je n'ai pas forcément. Euh, quand je le... Donc là je les préserve en 3200 ISO, et là je les perds véritablement. Maintenant, je peux faire l'expérience dans le sens contraire, c'est-à-dire qu'on va regarder ce qui se passe dans les hautes lumières, justement. Voilà, donc on va aller là. Ici, je vais euh, sous-exposer de moins 2, donc je pars de plus 2, je fais moins 2. Voilà. Je peux faire ici la même chose, donc je ne suis plus à 3200, je suis à 200 ISO, puisque j'ai sous-exposé de moins 2. Et on peut voir sur cette image la différence qui est complètement minime. Voilà, tant sur l'exposition des hautes lumières que si on va aller chercher évidemment dans les basses lumières où on va avoir, bon on voit pas grand chose, hein, mais on va voir exactement la même chose. Je vais essayer d'aller plus dans les intermédiaires. Par exemple, euh, quelque chose peut-être ici. Voilà, je vais avoir la même chose. Voilà les amis, petite démonstration CQFD. En gros... Euh, ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui euh, alors c'est quelque chose qui m'avait fait un peu effrayé il euh, y, a, y a plusieurs années mais quand on fait un film et qu'on travaille en RAW, que ce soit en ARRI RAW ou en R3D à un moment donné quand on passe en étalonnage sur DaVinci on développe le fichier mais on va plus jouer sur les métadatas puisque ça ne sert plus à grand chose et ce serait une perte de temps parce qu'il faudrait volontairement aller dans euh, l'onglet le, le, à caméra RAW, modifier Bref, ça ne fait pas gagner forcément du temps et ça n'apporte pas forcément grand-chose de plus. On a une réversibilité, que ce soit en log ou en RAW, c'est exactement la même chose. Bref, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, le, le RAW, c'est très bien, hein tant mieux, mais ça ne sert plus, grand, ça ne sert plus à grand-chose, contrairement au RAW en photographie où vous allez pouvoir euh, modifier les métadatas en caméra RAW puisque en photographie, vous ne travaillez pas en espace logarithmique. Voilà, les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Vos petits commentaires sont toujours les bienvenus. Si vous voulez en savoir plus, il y a Miziflix. Miziflix.tv. Je vous embrasse. À bientôt. Merci. Ciao.